Jennifer Lopez a 55 ans, entourée de VIP mais désespérément seule pour son anniv. Le couple n'est pas apparu ensemble depuis plusieurs semaines. 17 ans après leur première histoire d'amour, Jennifer Lopez et Ben Affleck retombaient amoureux. Un an après leur retrouvaille passionnée, le couple se disait oui le 16 juillet 2022. À Las Vegas, et ce pour le plus grand bonheur de leurs enfants respectifs. Si pendant un temps, la chanteuse et l'acteur ont foulé les tapis rouges ensemble, et semblaient très amoureux, rien n'irait plus entre eux. Mardi 16 juillet 2024, les deux stars n'étaient pas ensemble à l'occasion de leur second anniversaire de mariage. En effet, si Jennifer Lopez profite de son été aux Hamptons, Ben Affleck est toujours à Los Angeles, où il se rend tous les jours à son bureau. Samedi 20 juillet 2024, la chanteuse a partagé un selfie sur Instagram où elle apparaît sans son alliance. Selon les informations de page 6, elle ne porte également plus le collier où il est écrit Ben. Ben Affleck ne s'est pas rendu aux Hamptons pour l'anniversaire de sa femme. Samedi 20 juillet 2024, l'interprète de On the Floor a organisé une fête quelques jours avant ses 55 ans sur le thème de la série Bridgerton. Une nouvelle fois, Ben Affleck était aux abonnés absents. Plusieurs sources ont en effet rapporté à People que l'acteur n'était pas de la partie. Jennifer Lopez a pu cependant compter sur la présence de nombreux VIP ainsi que de sa mère, Guadalupe Rodriguez. Très proches, les cinq enfants des deux stars, Max et Em, 16 ans, Violet, 18 ans. Serafina, qui se fait désormais appeler Fin, 15 ans, et Samuel, 12 ans, souhaitaient plus que tout au monde que leurs parents respectifs se retrouvent. Pour le Daily Mail, une source avait confié, les enfants pensent que Jennifer et Ben sont vraiment, profondément amoureux. Comme des âmes sœurs et ils ne veulent pas qu'ils divorcent. Selon plusieurs sources, les deux stars se seraient séparées en mars dernier. Vendredi 28 juin 2024. Page 6 avait assuré que l'acteur avait déménagé toutes ses affaires de la propriété qu'il partageait avec la chanteuse. Ben continue de vivre dans la location de Brentwood. Il est là depuis environ 2 mois maintenant. Il a l'air bien. Il est à son bureau tous les jours et semble concentré sur son travail. Il passe aussi du temps avec ses enfants, avait précisé une source à People. Une autre source avait partagé auprès du magazine OK, Ben dit à ses amis qu'il attend avec impatience le prochain chapitre. Il veut une vie sereine et paisible, et échapper à ces montagnes russes sera un soulagement.